Il y a 7 ans, j'ai perdu mon âme sur un champ de bataille. Avec chaque nouvelle victime, c'est un peu de moi qui mourait aussi. Je n'ai plus rien d'un homme à présent. Je suis devenu une machine à tuer. Donc nous ne sommes que des pions dans une partie d'échecs qui déterminera l'avenir de l'humanité, Cyrus. Difficile de deviner quel joueur parviendra à mettre le destin en échec. À l'époque, le champ de bataille représentait toute ma vie. Et la voix qui me donnait des ordres, était la seule vérité en laquelle je croyais. Sloan, réponds, Sloan. Ici Sloan, j'attends vos instructions. Bien, ta première bataille sera décisive pour ton avenir. Accomplis cette mission et prouve-moi que ton entraînement a servi à quelque chose. Je ferai de mon mieux. Ok, commence par éliminer tous les obstacles qui empêchent à nos escadrons d'intervenir. Place une bombe sur la zone indiquée. Bien, éloigne-toi de la zone de portée de l'explosion. Bon travail. Cette fois, utilise une pile de bombes pour faire sauter cet obstacle. Une pile ? Accumule plusieurs charges afin d'augmenter la puissance de l'explosion. Appuie 2 fois de suite sur le bouton. Le cercle représente la zone qui sera affectée par l'explosion. Ok, ça fera l'affaire. Attention, Sloan. Une unité ennemie s'approche de ta position. Nous avons largué de l'équipement dans les parages avant ton arrivée. Détruis ce conteneur et récupère l'unité de verrouillage. Ennemi repéré! Écoute-moi bien, je vais t'expliquer le principe du verrouillage. Garde enfoncé le bouton permettant de placer des explosifs. Oriente le cône de visée vers l'ennemi. Tu viens de placer une bombe sur l'ennemi. Actionne le détonateur. Bien joué. Ramasse ce que l'ennemi a laissé tomber. Tu viens de trouver des noyaux de charge. Utilise-les en conjonction avec tes bombes afin de provoquer des explosions beaucoup plus destructrices. Regarde la fenêtre située à côté de ta jauge de santé. L'icône du napalm est sélectionnée. Appuie sur le bouton pour l'essayer. Ok, ça suffit. Lorsque tu disposeras de plusieurs types de noyaux, tu pourras basculer de l'un à l'autre grâce au bouton de sélection d'objets. Les noyaux ne sont disponibles qu'en quantité limitée. Débrouille-toi pour éliminer cet obstacle par tes propres moyens. Nous avons repéré un autre groupe d'ennemis. Ce sera moins facile cette fois. Si tu appuies 2 fois de suite sur le bouton de saut, tu passeras en mode flash. Sers-toi de cette technique pour esquiver leurs attaques. Compris ! Ha !
À quoi sert cet endroit ? C'est une forteresse ennemie. Réduis-la en cendres. Compris. Je croyais qu'il y avait des soldats là-dedans. Mais ce sont des civils. Reprends-toi, Sloane. Exécute les ordres qu'on t'a donnés. Discute pas. Bien, commandant. Tu m'entends? T'as activé le pilote automatique? Oui. Alors descends dans le module d'atterrissage. J'essaie d'oublier mon cauchemar en combattant toujours plus. Car c'est la seule chose que je sais faire. Bon, nous ne sommes plus très loin du fléau. Maintenant, croisez les doigts. Les codes qu'on a récupérés devraient nous permettre de franchir leur sécurité. Ensuite, ce sera à vous six de jouer. Si on s'est pas fait éclater la tête avant. Nos codes vont fonctionner. Vaudrait mieux. Nos vies en dépendent. L'armée aurait pas mieux fait d'envoyer deux ou trois croiseurs plutôt que nous. Qu'est-ce t'en penses, Sloane ? J'ai reçu un ordre. J'ai une cible à détruire. Fin de la discussion, Tom. Tu ne penses vraiment qu'à faire sauter tout ce qui t'entoure, hein ? Je te rappelle qu'on est là pour sauver notre planète. Nous sommes le dernier espoir d'Hornet. Ah. Impressionnant. Donc nous ne sommes que des pions dans une partie d'échecs qui déterminera l'avenir de l'humanité, c'est bien ça. Difficile de deviner quel joueur parviendra à mettre le destin en échec. Ça y est, okay. L'unité M est intacte. J'entame la première phase de l'opération. Ah ! Sacré !
et donne-moi des instructions. T'es censé être là pour ça. Je sais. Groupe d'assaut, détruisez les batteries de défense anti-aérienne. Bien reçu.